Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Ça va fou? très bien, toi. Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve encore pour du Sandar, Et encore pour du Boros, pour de la nouveauté. et pour de la nouveauté. Boros aggro, pas du tout Pia, pas du tout token, machin, enfin il y a des tokens, mais Il se pas du trouve tout les que... mêmes tokens qu'on faisait, donc les ornithoptères avec Pia, enfin les mécanoptères, pardon. Ouais. Non, non, là on est sur autre chose, on est sur exactement en fait le même principe qu'on vous a présenté dans une vidéo Explorer, c'est-à-dire plein de tokens, on s'en sert pour convoquer, activer les flammes et surtout la chevalière, et pour bourrer avec le recruteur d'Imodan, et comme ça tout le monde est content. Pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir, merci beaucoup sponsor Playing by Magic Bazaar, code VALEPL 2023 sur la boutique, toujours 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient, merci à tous, et merci beaucoup Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description, ça nous soutient quand vous passez par le lien, vous achetez des petits trucs magnifiques, les Magic Card Cases, etc. Quali de ouf, les deck box druidiques, alors je sais pas si elles sont à la vente celles-ci, mais en tout cas elles le seront un jour, et elles sont C'est magnifiques, très je très beau. recommande. J'ai mis un petit deck double sleevé là-dedans, je suis comme un coq en pâte. Merci à tous ceux qui passent par ce lien, ça nous soutient. D'où vient ce deck? Il a fait top 4. Il a fait Pas top un 4 challenge. un challenge MTGO. Les challenges MTGO, c'est entre guillemets avant qu'il y ait des pro tours ou des énormes tournois en présentiel. Bah, ça fait partie des tournois les plus compliqués sur la sphère compétitive de Magic. Donc si ce deck-là s'est placé quatrième d'un challenge MTGO, c'est que pour le coup, il a un vrai power level, un vrai potentiel, une vraie puissance. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de reconstruire ce qu'on faisait en moderne et ce qu'on fait actuellement en pionnière, c'est-à-dire Boros convoque. On a beaucoup moins d'outils de convocation, mais en tout cas on a la même génération de tokens. Essayer de prendre le board, avoir un board très très large, swarmer le board comme on le dit, c'est-à-dire avoir plein d'itérations de créatures sur votre terrain. Et au bout d'un moment, vous faites juste une recruteur d'Imodan qui donne plus 1 plus 0 célérité à toutes vos créatures et vous allez bourrer l'adversaire. C'est vraiment le plan de jeu du deck. Pour générer du board, eh bien on va passer par le fait de jouer plein de petites créatures, les frontaliers, l'épicurien vol d'arène et compagnie. On a démolition jubilatoire, vous sacrifiez, enfin vous détruisez un artefact ciblé que vous contrôlez et vous générez 3 tokens 1-1. Vous allez pouvoir détruire le token sang, le token trésor de la vaurienne et le frontalier pour pouvoir générer rapidement ces petits 1-1. Renfort résolu qui, pareil, permet d'élargir le board. Vertu de loyauté qui permet de stacker des marqueurs plus 1 plus 1 quand notre board est très très large, tout en participant à en créer aussi de son côté. Et puis enfin, recruteur pour aller dans la tête. Chevalier à activer les flammes pour profiter de l'effet convocation du fait d'avoir un board très très large. Et la souris de combat qui est aussi une nouvelle carte d'Eldraine qui, elle, permet de rendre vos sorts moins chers pour pouvoir cumuler plusieurs sorts et prendre plus rapidement le board. Ça a l'air d'être très agressif, très punitif, très puissant. Je suis assez content qu'on puisse retrouver cette mécanique-là même en Ouais. standard, même si le deck est moins fort évidemment qu'en pionnière et qu'en moderne. Mais de toute façon, standard est un format qui est moins puissant. Donc C'est logique. ça se goupille bien et on a la chance d'avoir bivouac tourmenté. Ouais, Ça, j'allais c'est dire, très est-ce que très bien. 3, c'est pas beaucoup? Parce que je vois qu'on a quand même envie de faire tour 1, tour 2, tour 3. Est-ce que Ben, en fait. ça peut pas te pourrir un petit peu les mains? Dans tous les cas, ça a l'air d'être plutôt bien pensé parce que tu as 7 sources, tu as 7 montagnes dégagées, plus 4 forces, plus 2 Mirex, ce qui fait que ça te donne 13 sources de rouge dégagées tour 1. Et naturellement, tes 13 sources de dégagées tour 1, c'est largement assez pour caster ton épicurien. Et pareil, ton frontalier, lui, tu rajoutes en plus la plaine et Egonjo. Donc tu Ouais. es déjà dans tes sources de mana requis pour pouvoir jouer tes tour 1 de manière fonctionnelle. OK. Et je pense que. Et notamment, on va le voir au World et on le voit sur tous les decks qui performent actuellement. Même si Dimir est la meilleure bicolorité, c'est pas forcément Dimir qui prévaut actuellement sur les versions midrange. C'est Golgari. Et pas parce que les cartes vertes elles sont meilleures que les cartes bleues, mais parce qu'il y a des manlands. Et je pense que l'avantage d'un manland, c'est tellement non négligeable Ok, donc on en joue 3 qu'on quoi. accepte d'avoir cet appelant-là, je Ok, pense. ouais. Ouais, parce que j'aurais voulu en jouer, mais je me dis peut-être en côté 1, tu vois. Parce que ça, Emirex, ça t'empêche de curver certaines cartes, donc. Je pense que l'état du standard actuellement, il y a une espèce de norme qui est en train de s'établir que les manlands c'est trop fort. Ouais. Et donc du coup peut-être que le manland il prévaut sur la stabilité de ton deck. Ok. Mais ça, encore une fois, c'est des consensus qui vont être vérifiés par les Worlds qui ont sûrement déjà été joués au moment où vous regardez cette vidéo. Ça marche. En side, on a deux incendies à la tour, une bonne carte, pareil, qui vient de sortir avec Eldraine. Deux invasions de Gobakan, le Lapicorne Royal, qui fait plaisir, bah, vu qu'on a beaucoup de boards, il est gigantesque facilement Ouais, ce pour ton Lapicorne. miroir, c'est bien. Une Elechnorn, ça marche très bien pour Shutdown, notamment les decks 5 couleurs, qui ont beaucoup de gros effets d'arrivée en jeu. Bah, là, il n'y a plus. N'y en a plus. Zéro. Deux Détruire le Mal, bon, ça, on dit plus pourquoi c'est là. Trois Talia, Gardien de Tremaine, ça fait plaisir, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, la petite Talia. Une Allégeance Corrompue. On va piquer d'Atraxa. Voilà, on peut piquer d'Atraxa. Et deux Impératrices Vagabondes. On est parti. Étonnant d'avoir vu Impératrice en side d'ailleurs. Peut-être en Je Mirror t'inscris ou. bien en miroir, ouais, Ça pour fait des rendre ton tokens, ça deck fait des points de vie. un peu plus midrange, un peu plus gros, quoi. Trouver un Masht. Standard. Classement. Deux manches.
Bon, ça gros, on est parti. Allez, let's go, hein. Qu'est-ce qu'on voudrait taguer là? Un petit Golgari Je pour pense qu'on voir? va bien s'amuser. Si jamais tu veux avoir la chance de mettre en place ton plan de jeu, on voudrait un deck assez permissif. Un truc du genre mono-vert ou simicrampe, qui nous laisse entre guillemets Ouais. établir notre board et ensuite bourrer. Y a des simicrampes? Y a de tout, mais c'est pas Oui. très bien quoi. Est-ce enfin, un deck où on a des chances de l'affronter, tu vois. Il y a un deck qui a performé en mono-vert, splash bleu pour des contres, ça a pas l'air très bien. Crois que ça se garde étonnamment. C'est bizarre là la séquence de land. En vrai, ça va parce que tu peux tout curver si tu veux. Ouais. Bon, ça se garde. Hein. Genre, tu Bah tout fais curvé. épicurien dans démolition. Le tour d'après, tu fais chevalière. Mais Let's du coup go. j'ai fait deux fois Mirex pour faire ça. Ouais. Ok. Bah, C'est un enfin, peu bizarre. même si tes lands sont pas bons, tu peux pas refuser cette main-là. Donc, en gros, un deck pas noir parce qu'un deck noir, il va nous empêcher de faire nos bêtises. Alors, tu peux aussi décider, et je pense De que c'est très bien, bivouac. juste de bivouac et de faire le tour Après, je d'après fais. épicurien dans démolition. Ouais, je pense que je préfère. Tu perds 3 dégâts théoriques. Du coup, parce que tu n'attaques pas dès le tour 2. Je perds un dégât. Parce que je l'aurais mis au tour 1, donc j'aurais mis un point au tour 2. Ça n'a pas la liste. Ah, d'accord, ok. Ouais. Bah, du coup, on trouve une montagne, donc c'est parfait. Oh, donc tu perds pas tant que ça en fait. Bah, vas-y, Est-ce que je fais ouais. double épicurien? Non, je fais mes 3-3 de Non, tu suite. fais des 3-3 directs, ouais. Sachant que en plus contre mono rouge, il va pas interagir avec tes 1. Il interagit très mal. Et là, le Il tour n'y a pas de d'après, chinois à l'heure tu normalement. vois, le tour d'après, tu fais Mirex, épicurien, renfort, chevalière, tu trouves Imodane et t'as déjà gagné. Elle était dure à refuser cette main, hein. Franchement, C'est vrai, c'est vrai. elle était trop dure à refuser. Ah mais du coup, comme on décarvait, je me disais, faut faire attention à la séquence de land, mais en fait ça va, surtout qu'on est plus chez Montagne. C'est presque un deck combo en fait, hein, ce deck-là. Ouais, bah tu vas assembler des trucs, sauf que tu vas gagner quand même en attaquant. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu contre-intuitif par rapport à un deck Mais combo. lui, globalement, ce qu'il va faire, Ah non, ça va pas suffire. ça va pas. La Mirex. Je t'invite à mettre épicurien, renfort, chevalière, let's go. Est-ce que lui, le foutre au cimetière, c'est pas mieux? Ah bah non, je suis con. J'étais dans l'optique de sacrifier un Ok. artefact, mais non. Non, non, ouais. Donc épicurien. Gant fort. Gant fort résolu. Le chevalier céleste. Ah, c'est lui. C'est lui. Par contre, est-ce que tu peux mieux me payer? Est-ce que je vais avoir le choix? Je tente pour Normalement, la ouais, t'as le science. choix. Oui. Ça. Ça, Gaillot. Et là, déjà une 4-4 contre Monored, il tire la gueule, lui. Hein. Yem Borda. Et bah, pour Jusqu'à deux rien. cartes de créature. Bah, les deux. Bah, ouais. Dommage pour Pas d'attaque, par contre. Imodan. Parce que là, le tour d'après, tu lui Ouais. dis une sauce, le type. N'était pas là pour gueulerie. Hein. What? Il attaque avec tout? Mais cet homme est fou. Oh bah je prends. Hein. Ah, il est pas. Il a pas peur lui. Hein. Il apprend une tartine là. Mais ouais. Un tartisson comme on dit. Ben, frontalier, frontalier, vaurienne, chevalière, et tu bourres avec le reste. Parce que si je fais ça, je peux pas trouver ce qu'il faut. Ouais, tu peux. Frontalier. Ouais. Je voulais faire draw discard, essayer de trouver Ah non, Imodan, mais j'aurais pas le ouais, mana. ça tu peux pas. Si tu trouves pas un land, t'es sûr. Ah, c'est discard d'ailleurs, ouais. Mirex. Ça, on fait quoi? Donne-lui célérité. Ça Il a déjà t'attaque. célérité. Donne-lui, pardon, stade de 2 pour pouvoir mettre plus de dégâts. Sur quoi? Sur elle? Ouais, je crois. Et là, tu crous juste avec. Enfin, tu crous, tu convoques avec frontalier, frontalier et n'importe quel 1-1. Ah, il faut un blanc. Et Imodan for the win. Bah, toujours pas, mais bon, ça devrait quand même suffire. Je prends un truc ace, une souris. Ouais, bien sûr. Tu pourras draw discard le tour d'après si tu veux. De toute façon, à un moment, ton board il va être tellement large que tu vas pouvoir attaquer même sans buff ton board. Hein. Main donnée. Oh, le board que ça fait, mais c'est démentiel. Hop, Ouais. point de dégâts. Là, contre Interceptor, là, le Lapicorne, pas déjoué. Hein. Ah, le piquant, on va pas être content. Hein. Non. Tiens, c'est une 500-500. Ah! Qu'est-ce que tu vas Bienvenue. faire?
Bien En vu. plus, il a une attaque et une défense qui est égale à tous les game objects que tu mets. C'est-à-dire pas forcément que tes créatures, même tes tokens, Pour les ça. tokens, ça marche. Tokens, ça marche. Je commencerai par Vaurienne, moi. Bah, ça coûte 1 si je fais souris d'abord. Ah Après, j'aurai oui. que de l'incolore Ah d'accord, remarque. ok. Oh, vas-y, vas-y. On s'en fout Mais une tu balle. défaces Oh, bien, on s'en fout. l'autre Vaurienne. Oh, on s'en calme. Non, mais tu peux retrouver une chevalière, donc c'est bien. J'aurais même pu juste attaquer avec Bivouac. Bivouac! Vouek. Draw discard, non, on s'en fout de l'autre Vaurienne. Ouais, je le recyclerai. C'est ça. Je le recycle maintenant en fait. Je trouve bivouac. Si tu trouves bivouac, tu peux le lander, ouais. Le biv. Le B. C'est pas Ah, bivouac. bah c'est bien Oh, ça. ça c'est bien aussi, ouais. Ça donne quoi? Plus un, plus un. Non, plus un, plus un. Alors là, tu mets sur qui tu veux. Un Je vais frontalier, non? Vaurienne. S'il bloque un frontalier, c'est comme si il avait rien fait. Il y a déjà les deux, plus un des frontaliers. Ok. Ah oui, Ah oui, mais je peux les mettre. Ah non, c'est pas que sur les frontaliers, jamais où je veux. il est trop bien ce deck. Ça y est, je suis fou. Je sais pas, je mets sur des trucs qui cognent Et là. là, on s'en fout. Mais où tu veux? Et non, mais mets-les sur les frontaliers. Parce que du coup, il veut pas bloquer tes frontaliers. Et le but c'est qu'il meurt. Est-ce que je peux leur jouer avec l'exhume? Mais dans ce cas-là, si tu veux qu'il meure, faut les buffer. Parce que lui, il veut bloquer ce qui a le plus de patates. Ah, je crois, il réfléchit comme ça. Ah non, tu vois. Bah, si j'étais lui, moi, Il enlève je. le buff. En fait, il m'oblige à payer pour refaire le truc. Ok. Bon, je sais pas. En fait, il y avait deux types de cerveau. Ouais. C'est Ok. Ah, si limiter les j'étais dégâts lui. maintenant ou limiter les dégâts plus tard. En fait, si j'étais lui, j'enlèverais vraiment des cartes de notre board. Je mettrais pas des cartes au cimetière, sachant qu'on a plein de mana et qu'on sait pas comment le dépenser. Ouais, à quoi qu'on a qu'un mana blanc, donc en fait, effectivement, exhumé, on peut pas les deux. Ouais. Bon, en tout cas, C'est un on fou. va pas perdre cette game, ça va aller. Normalement. Oh, j'adore. Les mecs qui Le ont lancer de carte le concède. lancer de cartes comme ça, il est cool. C'est Il clean. passe l'arme. Terminé. Bon, la picorne. Incendieux, c'est pas mal aussi. Et qu'est-ce qui est pas bien contre lui? Oh, on lui pique une bête. On lui pique une de deux. Qu'est-ce qui est pas bien? Il y a tout qui est bien contre lui. Oh, souris, c'est peut-être un peu frêle, non? Souris, c'est peut-être un peu frêle, mais pour ta cœur, c'est bien d'en avoir un peu. Mais enlève deux souris pour deux lapicornes. Déjà. Et genre, en vrai, est-ce qu'on veut vraiment Impératrice? Je crois Oh, pas. ça, c'est nul contre lui. Ça, c'est nul contre lui. Impératrice, tu crois qu'on veut pas? Je crois pas. Peut-être pas, non? Peut-être que je me suis Ego. emballé. Ego, ego. Ego, Je me dis ego. contre Monorail, j'étais content d'exiler une bête, gagner 2 PV, Ouais, moi aussi, mais je crois que c'est pas ton plan. mais en papier, je les aurais rentrés. Juste parce que t'aimes la carte. Parce que je suis content, tu vois. Et en papier, j'aurais Je suis mis Mendek, content moi. là. Oh, j'aurais mis Mendek, j'aurais mis J'aurais 5. acheté en H-Foil. J'aurais mis 4 et 4. En H-Foil japonaise. T'as vu, c'est le skin. Tu dis ça à ton oppo quand tu la joues. En flèche. Ah, oh, c'est ma carte, c'est ma carte. Ah, oh, ils ont fait un traitement dessus. Oh, c'est remarquable, c'est remarquable. Tu connais toi ça? Ces dernières années, on s'en fout. Non mais faut le dire, Non, on le voit pas assez. mais c'est vrai que souvent on passe trop vite sur l'illustration alors que bon. Je vois les deux types là, dans les PL là. Les mecs sur internet là. Oui, Et ça ils dit, disent j'aime pas les jamais. cartes. Oui. Ils disent jamais quand c'est bien fait eux. Son con. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il y a un Ouais, type en France c'est comme ça. sûr. Il y a un type, il a parlé de nous comme ça, c'est sûr. Ah, j'ai envie de garder pour ça, mais c'est une idée de merde. Non non, vas-y garde. Mec, c'est le plan du deck. Tu fais du contenu, toi. Ah, j'aimais quand ils font du contenu. Ah, ils sont cons, mais Arrête. Pour l'instant, on est toujours sur une autre piste de contenu. Oui. Attends, dans un deuxième land, tu commençais à faire du compétitif. Du contenu titif. Là, un bivouac, tu vois, je le prends. Tu préfères du compétunu? Du contenu. Du contenu. Compétunu, on dirait un truc Inventé? moins de Ouais, 18. c'est le cas. C'est le jour de la tartine, hein. Il est pas là pour enfiler les perles, Voilà. lui. Hein. Fitting. Tinko. Je peux faire ça, faire un trésor et casser ça. Et là, tu fais chevalière là. Tu démolitionnes et tu chevalières. Et tu bien. La soupe. Alors vous n'entendez pas, mais il y a On est à côté d'une caserne militaire. une caserne militaire, ouais. Normalement, c'est à 20 h qu'elle le fait. Dès le tour Ah, je d'après suis là, bien. Je suis bien. tu l'as fendu en deux le type. Ouais, ça me Par contre, tes marbre. frontaliers m'ont Pourquoi tu saoulé. trouves que des Je frontaliers, voulais gros? les cutter pour pas les trouver, justement. On peut trouver la picorne, hein. Après, tu peux pas les coder parce que c'est des artefacts pour. Je sais plus qui. Je peux pas, Je sais plus mais comment ça j'aimerais. s'appelle. La destruction jubilatoire. Ah, ça c'est bon, j'en ai Eh ouais. marre.
Connard! Mets deux croignons quand même. Hein. Oui. Parce que j'ai pas l'étal là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai pas l'étal, mais je suis pas très loin. Il faut survivre. Je te propose du coup de faire juste frontalier passe. Tu feras renfort résolu en fonction des dingueries qu'il a fait. Et on l'attaque pour l'étal derrière. Ok. Enfin, frontalier passe, tu mets quand même un petit coup. Hein, mais j'ai pas un avec petit ta... coup de. Bah, peut-être pas avec ta 4-4 justement. Le truc qui bloque mal? Ouais. J'ai un bloqueur. Ouais, tu gardes le reste. Deux bloqueurs et j'ai les renforts résolus. C'est ça. Ah bah attends, on a dit on mettait 16. C'est ça, tu le mets 16, donc là mets-le à 16. Je crois que je suis bon avec ça. Après évidemment, si la Lightning Strike... Ah bah on a perdu. Finito, hein. Mais au moins là, on s'offre une possibilité. Finito pipo. Ça, ça nous a mis 2 points, on s'en rappelle. Oh, pas de galère. Regarde donc ce qui se passe là. Tranquille. Oh, le Plague Fire, tu l'as vu. Tu penses? Ah ouais, c'est vrai qu'il a un stop. Alors faut pas qu'on passe à deux. Ah oui, d'accord. Ah, c'est une super carte, ça. Hein. Ouais. Je le dis pas assez, mais vous le savez. Merde, attends, je prends un là. Si je casse ça. Ouais, mais tu éponges mieux dans tous les cas. Comment tu veux casser ça meurt. Faut que je bloque les deux là. Je prends 1, 2, 3, 4, 5. Faut que j'en bloque. Enfin, faut que je bloque une de deux. Si tu bloques les deux et que derrière tu fais recruteur, tu mets combien? Si je. Mais pas assez, hein. Je viens de perdre 5 dégâts avec ma 4-4 qui m'a tué. On passe à game 3. Il est là, bon, je prends 5 et je suis à 5, donc il faut que je lui donne ça aussi. Il est bon, lui, Pardy. Hein. Vas-y. Merci. Hey. Hey. On trouve mais land. Mais qui chatte aussi. Du coup, je peux rajouter ça, faire un trésor pour recruteur. Et ça, vas-y, tu sais quoi, dis-lui, regarde tout ce ouais, que j'avais. Je lui montre. Vas-y, montre-lui. Je lui montre. Je fais un jeton trésor. Ouais. Je fais une créature. Ça se donne la célérité, ça? Oui. Bah, c'est beau, tu vois. Mine de rien. Je mets sur lui. Et là, je crois que je mets 15. Je mets 14. Allez, passe à la suivante. Ouais, mais t'as vu? Hein? T'as vu ce qu'on aurait pu faire, mon gars? T'as vu comme j'ai cogné, là? Non plus, hein. Eh, non plus, hein. J'ai mis une vagabonde sans faire exprès. Ouais, ouais. Sans faire exprès, ouais. Mais j'ai quadruple clic. Non, non. Je pense que tu t'es rendu compte qu'elle était pas du tout cachée. Que maintenant, je suis sur place, donc je vois mieux. Ouais, ouais. Et que du coup, ça marchait pas. Ça faudrait que je te distrais, je te mets des belles cartes devant. Tiens, t'as vu ça? Hop, je side. Oh, t'inquiète, je side. Je mets les cartes. Je mets les bonnes cartes. Bon, Interceptor, là, on est sur le play, on va te tartissonner. Je foutrais que des bottes dédaigneuses dans tous mes decks. Tu as bien raison. 8. 8 par deck. Ah, le mauvais land. C'est dommage. Mais ça va en vrai. Non, ça va pas. Bah, on fait rien tour 1. Et tour 2, tu fais. Tour 2, on fait double truc. Même pas, hein. Tour 2, tu fais vaurienne. Je fais vaurienne tour 2. Bah, tu peux pas double piquer rien en tout cas. Si, je peux piquer un frontalier. Ah oui, tu peux piquer un frontalier. Je sais pas, non, est-ce que ça gagne ça? Non, je me ligue. Faut chercher la patate. Tu cherches la patate? Ah ouais. Voilà, il y a lui déjà. Oh, c'est patate ça. C'est plus patate ça. Ouais, c'est patate. Ouais, je vire une vaurienne. Oui. Parce qu'elle vaut rien. Je vore une virienne. Ciao. Mais attends, une vaurienne, c'est le féminin d'un vaurien. Mais un vaurien, c'est quelqu'un qui ne vaut pas grand chose. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a un féminin à vaurienne? Ouais, parce qu'elle ne vaut rien. C'est débile. Non, mais c'est avec l'accent du sud. Elle vaut rien. Elle vaut rien. Non, mais ça n'a pas de sens, on est d'accord. Ou alors c'est moi qui comprends pas la définition d'un vaurien. Est-ce que déjà un vaurien, c'est quelqu'un qui ne vaut rien? Pour moi, c'est quelqu'un. Que tu sais, c'était une insulte à l'époque, tu vois. T'es quelqu'un de. Je pense que. D'un peuple, tu vois. C'était que pour les hommes. Genre vraiment, il y avait que des hommes qui valaient rien. Oh. Et au bout d'un moment, il y a eu une femme qui valait rien. Du coup, il y a un mec qui a dit bah, vaurien. Et après, ils se sont dit ah merde, ça marche pas. Mais c'est trop tard. Mais du coup, c'est trop tard. Ils avaient trop utilisé le mot, donc c'était gâché. Bien vu. Ça, j'ai l'impression que je le mets, il meurt. Non? Non, mais tu veux pas recycler un truc? Recycle ta souris, là. Avec ça? Ouais, elle m'a bandé ta souris. Et c'est pas ouf, hein. Bah, l'idée, c'est de trouver rapidement un truc jubilatoire ou... Oh, je trouve un, non. Ou la cavalière. Cavalière. De toute façon, lui, il a que les trucs qui mettent 5, là. Donc si je mets que des 1-1, il est deg. Oui, ah bah, il perd 4 dans l'équation à chaque fois. Il est bon d'avoir cette interaction ça, à chaque là. Fois. C'est tellement fort. Ouais. Bon, il y a le gars. Mets une petite séquence de recruteur. Je mets le petit gars, là. Vas-y, on va
avec son mana incolore, il va pas faire grand chose. Dire, tu vas voir, nous aussi on tape. Et en vrai, Tartisson, c'est 10. Hein. Bah ouais. Chéri Tartisson. Oh putain. Et regarde donc en plus. Ouh là là. Regarde donc. Ouh à l'upkeep. On cherche une montagne. On l'a trouvée. Bien vu. Je pense qu'il est, il est véhément, il va pas respecter là. Ouais, ça monte. Il va se dire, ah ouais, tu mets 8. Ben moi, regarde, je peux mettre 10. Ben ouais, ben t'es mort. Là. Nickel. Mais nickel. Oh, tu l'as provoqué. J'ai provoqué. Tu l'as provoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte bon. De toute façon, si t'es pas bon, j'aurais fait la même chose, je m'en fous. Le compte bon. Bam, 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 bam. Voilà. Bien joué. C'est tellement rondement mené cette game. Nickel. T'es rentré dans sa tête. Tu l'as provoqué. T'as provoqué une guerre d'ego alors que toi, t'en avais pas. T'en avais rien à foutre. Moi, je m'en foutais. C'était vraiment pour la tirer, quoi. Ouais. Et du coup, là, il fait. Gnang, 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 gnang. Tu vois, il rebondit comme ça, comme Crash Bandicoot un peu. Moi, je suis impeccable. Wouah! Oh golo. Allez, on va perdre une game maintenant. Allez, c'est parti. Faut toujours montrer que le deck n'est pas aussi flamboyant que ce que vous pensez. Bien sûr. Allez, sinon, jamais vous allez crafter en masse et tout. Faut montrer qu'il n'est pas chevalier flamboyant. Non, oui, effectivement. Parce qu'il ne l'est pas. Hein. Ah bah non. Genre, c'est un bon deck, mais il y a des gens, ils vont jouer du noir, ils vont faire des anti-bêtes. Oui. Il y a un truc, ça fait -3/-3 de PV. Bah, déjà, c'est hyper chiant. Dur, c'est vrai. Oh, Baltimore Hero. C'est le héros de Baltimore. Il a pas eu de nom, lui, dans les Marvel encore. Je vous promets. Non. Avec un petit tour 1, ça se conservait. Hein, mais... Ouais. Là, le tour 1 qu'on peut pas caster. Oh, belle. Il s'en fout de ta gueule, le deck, là. Non, ça fait rien du tout. Ouais, ça fait rien, mais je vais garder. Hein. Ouais. Enlève le col. Hein. Ouais. Ouais. Go. Go. En espérant que ton oppo soit sympa. On va perdre la 1 et perdre la 2, quoi. C'est vachement sympa, ça. Hop là. Oh, la souris de combat, ça me fait penser... Elle m'énerve, ils nous ont fait les motards de l'espace avec Grisfang. Mm-hmm. Et là, ils nous ont appelé ça souris de combat, quoi. Enragé. Alors que ça a vraiment, clairement, la gueule d'un rat. Ah bah oui. Mais on peut pas le jouer dans le deck rat. Il y a que des rats, ils se disent, non, celle-là, c'est une souris. Ouais. Eh oui! Ah si, il y a la souris grise aux coquines aussi. Ah oui, elle est coquine celle-là. Hein. Comme Pierre-Louis. Pierre-Louis. Il est coquin, Pierre-Louis. Oh, j'y mets là. Oui. Oh, Mirex, tu peux péter un de tes tokens pour en faire deux autres. Et ça, c'est beau. Ouais. Enfin. Oh, le counter spell. Ou le tubette. Ou le tubette. Nickel. Je m'en fous. C'est la pire carte de mon deck que tu viens de tuer. Tu lui dis, ah ouais, bah je m'en cague. Ah ouais, mais de toute façon, je vais les enlever du deck, elles sont nulles, ça va pas raison de les tuer. Tu tues ma souris, t'es sûr? Ah bah ça, tu vois, typiquement, on n'y fait pas grand-chose. Ah, Denik. T'as ce tour, hein. Si, t'attaques. Ouais, je t'attaque avec le biv. Ok. Oh, le B. Le biv. Hey, c'est le moment de montrer à quoi il sert. Hein. Ouais. Ah ça. Hop là. En vrai, il est resté bloqué à 2 mana, c'est notre chance. En plus, il attaque. On a pas sûr. Bah du coup, je n'active plus le biv. Avec deux mana open, il va juste mourir. Moi j'y mets deux. Bah tu mets deux, ouais. Et tu fais frontalien, démolition, passe. C'est bien, hein. Bravo, okay. Je fronte. Tu jubiles. Je démolis. Ouais. De façon jubilesque. C'est vrai que tu jubiles là, je le vois. Les gens le voient pas, mais moi je le vois. Tu trépignes d'impatience de le démolir. Ouais. Ouais. Mmh. C'est ta vie ça. Mec trop violent, dès que t'interagis avec lui, il t'envoie un pic. Deux points. Il a trouvé son land. Oh, putain. Hop, ça s'est contré, comme ça il contre 200 en même temps. Non, il est pas aussi méchant. Non. Ah bah si. Eh ben non. Si. Ah ouais, bah je m'en fous de cette carte. Ouais, mais je m'en fous. Ça, c'était vraiment un bait, t'étais tombé dedans comme un gros nul. Hop, j'étais un mana blanc. J'active le biv. Mec, le biv, il est en train de faire le taf. C'est bon, on comprend. Oh merde, quel con. C'est pour ça qu'il m'engageait bizarrement, c'est parce que le blanc, j'en ai besoin pour le bivouac. Oh, ça t'a épayé, ça. Et comment j'ai réussi à le créer tout à l'heure? Ah bah j'avais une Mirex aussi. Et il dit oups. Oh, c'est vraiment le pire. Baltimore, tu es une... Une ville personne. Tiens, je suis le pire et c'est le pire du pire, lui. Ça, en même temps, c'est parce que tu lui as dit, ah ouais, bah je m'en fous. Ah ouais.
Et du coup, il a répondu à ton Ah, tour, mais tu je me vois. disais aussi, putain, mais il m'engage trop bizarrement le jeu. Ben non. Mais je me suis fait tricks parce que tout à l'heure j'ai pu le faire, mais parce que j'avais aussi Mirex. Eh ouais. Eh oui. Eh ben alors. Dommage. Eh bien alors. Heureusement, on perd pas notre mana. Un tartisson. Quand même loupé un beau tartis, hein. Enfin, un trésor pour attaquer avec le div. Sinon, je défausse rien pour piocher. Ça marche si je fais défausser, je pioche juste une carte. Ouais, ça marche. Ah ouais? Tu préfères? Ouais, comme ça, si on a un land, ça marche. Ouais, il a du mana up, donc je préfère. Vas-y, vas-y. Putain, c'est génial. Oh, c'est génial! Il y a un monde de jeu pioché ça aussi, enfin deuxième mana blanc et bam! Il le contre. Ouais, mais il faut qu'il le fasse. Il a gagné combien de points de vie déjà là? P4. Avec le dé. 4-4-4. 4-4-4! Je mets ça non? Ouais. En réponse. Oh, tu le fais en réponse. Et puis il a un mana. Ah oui, d'accord, pour être sûr qu'il contre Ouais, pas. ouais. Ah, parce que tout à l'heure il a contré le premier. Et il contrera pas le deuxième. Enfin, Oui. il l'aurait, mais il n'a pas pu. Et au pire, s'il le contre, on s'en fout. Bah, il fait du 2 points un peu, tu vois. Donc... Tu dis, ah ouais, tu comptes ça, mais bon, moi je joue pas un deck de merde, tu pourquoi veux dire. t'as vu, regarde? C'est une... Je fais allumer Danik. T'allumes des nicks? Bah, elle allume pas comme ça, dis donc. J'aime bien, moi. Je suis un peu sacripant. Ok, bah Ouais. bien joué de pas attaquer. C'est mieux, hein? T'as compris, Baltimore, du coup? C'est mieux, c'est mieux. Regarde. Je te mets un. Je te mets une petite Mirex. Sur le coin de la pipes. Écoute, au bout d'un moment, tu accumules un board assez large pour appeler Imodan, et Imodan, il arrive. Ouais, lui. Ouais, t'es où? Bah là, je suis devant là. Ah ouais, bah vas-y, arrive, c'est maintenant. J'attends là. Ok, Il arrive, t'arrives hein. Imodan, il pose les Ok. coronesses. Bah là, il va Échec Vras abattre. là. Ouais. Ouais. Faut juste que t'arrives avant. Faut que t'arrives maintenant, tout de suite. Ok, bah j'attends hein. C'est marrant parce qu'Imodan, c'est le nom d'un antibio. Enfin, ça ressemble à un nom d'antibio. Ouais, Imodan Ouais, Imodan Langoual. Pour les mal de gorge, du coup. Oui. Bah oui, parce que ça va Les dans la glotte. mal de langue. Oh, si je recycle ça, C'est très pas mal. pendant son tour, c'est bon, mais C'est pour les gens qui parlent c'est comme bon. ça, du coup. Mais putain, mais merde! Pourquoi tu pioches que des cartes que tu peux pas caster? Merde. Ah, vas-y, non, mais tu sais quoi? Échange-la. Échange-la, on va Faut que chercher j'échange. Imodan. Oh, regarde. Regarde un Il peu. pioche une carte, il gagne 2 PEV, et moi j'en perds 2. Putain, on peut piocher la souris en plus. Oh, ouais. Je Ouais, peux pas bah. la jouer. Est-ce que t'es en phase d'attaque? Mais pourquoi je suis en phase d'attaque? J'ai passé en phase d'attaque? Je sais pas. Moi, j'ai fait ça. Moi, je fais ça. Pas d'attaque, souris, passe. Souris ou souris pas? Elle sourit en tout cas. Souris. On va y aller gentil, hein. On va y aller gentil, hein. Là, à notre tour, il peut juste activer Rudy Ferry pour qu'on meure. C'est vrai? Petit à petit. Ah oui, petit à petit, mais pas d'un coup. Imodan! Sympathique! Un grand homme. Oh, il est à 15, il va contrer. Ouais, Je non. lui montre ou pas? Ouais, on sera amusé au moins. Ouais, TKT, il connaît. Ok, non, mais peut-être qu'il connaît pas. C'est vrai. Tu penses qu'ils ont pas ça à Baltimore? C'est pas encore arrivé à leurs oreilles? Imodan. Jamais vu. Il me dit rien, ça fait quoi? Franchement, vu le temps que ça met, il est en train de lire là. Il connaît pas. C'est possible, Yes! ouais. Bloc 2, il gagne 2, il tue, il Oui, pioche. non, c'est parce que à un Hop, on est moment, mort. on a le droit de s'amuser, nous aussi, ou pas? Ah oui, bah ouais, je m'amuse là. Voilà, Cette game, elle voilà. était divertissante. Pas pour nous. Pas du tout pour nous. Ah, vas-y, ah, c'est bon, il nous chie Oh, dessus, il m'a maintenant. mandé en plus. Bon, Baltimore, faut qu'on parle. Bon. T'as pas marre de jouer un deck de 1? Là, j'entre les contres. Ben oui, on en a plein. Hein. Ah, tu vas rentrer des Gobakan, peut-être. Et c'est tout. J'ai envie d'entrer la peigne. Ah, Elle a payé, c'est pas il bien. va le raser, quoi. Enlève le Stoke Oh, the Flame aussi, c'est putain. pas très bien. Non, je pense que tu t'en fous d'aller. Je sais que c'est pour que tu le vois pour Sholdred, mais je crois que c'est mieux contre Janine à 7 mana. Je lui enlève aussi Danik, hein. Ouais, mais tu le rends, quoi. Ah oui, mais je le fais quand je le tue. Non, moi je jouerais pas ça, tu Non. vois. Je pense que c'est vraiment réservé à Atraxa. Et qu'est-ce qu'on veut pas? Franchement, souris, la carte est nulle, quoi. Souris, Excusez-moi du. c'est bidon. Excusez-moi du peu, hein. Et est-ce qu'il faut pas que t'incendies pour enlever des nicks? Tu mets deux incendies. Ouais. Et là, on y va, quoi. C'est bon, j'y vais là. Là, on est parti. J'y vais. Là, on Oh, est. Denik, c'est une 2-3 lifelink pour 2. C'est une dinguerie.
Et il a des effets. Et il revient au cimetière. Ah bah c'est pas pour rien que c'est Esper Raffin qui a gagné le premier tournoi à 578 joueurs au Japon. En standard? En standard. 578 joueurs. Hein. C'est Putain, marrant. Au Japon, le standard, ça roule. Hein. J'adore Raffin, mais pas en standard. Et c'est Raffin, en standard, vraiment, ça me bande. Je te laisse essayer de deviner. Vous pouvez jouer sur le chat. Enfin, sur le chat. Les viewers, vous pouvez jouer dans l'espace commentaire. Quelle est la nouvelle carte intégrée à Raffin du set d'Eldraine? Aucune. Non, il y a une carte. Ah, il y a une carte. C'est pas Esper Légende, c'est vraiment Esper Raffin Midrange. La bête avec, qui fait comme Raffin. Non. Parce que j'ai du tarifion. Non, bah non, faudrait plus de fées, quoi. On va mulligan bien joué. Ouais. Oh, c'est pas mal. Tu l'as dit comme un petit ouais, alors que tu vas te gloutonner. Ouais. Alors, si j'étais toi, je ferais d'abord call et je ferais frontalier et démolition le tour d'après. Mais tu perds peut-être un dégât à faire ça, cela dit. Je perds un petit dex. Ouais, non, ok, d'accord. Tu perds un dégât, ça. Pas juste un petit dex. Du coup, tu vous donnez tous votre langue au chat, je pense. Je vois pas. Le seigneur grouilleur. C'est quoi ça? Le rat 3. Ah oui, qui fait 1-1. Ouais. Oh, j'avais oublié que c'est le line. Ouais. Mais tu vois comme quoi Raffi n'a pas pris beaucoup d'upgrade. Non, ouais. Mais c'est vrai que ça marche bien. Bah, il est légendaire. Donc, il se caste par Plaza. Ouais. Voilà. C'est vraiment bien. Et la tour d'après, je peux faire ça et ça. Il contre et je suis aux fraises. Eh ben, il contrera pas. C'est bonne nouvelle. Il contrera pas, je suis pas aux fraises. J'ai envie de mettre 3 points non, quand même. Non, non, non. Non, non, non. J'ai envie. Oui, mais non. C'est une fausse envie, tu le sais pas. Tu sais pas que t'en as pas envie. Oh là, s'il avait eu le bon goût de tuer une bête chez Chocolat. Bon, il aurait pris un tardisson. Je te dis, Baltimore, gros, ils sont pas encore aux pointes. Ils sont pas encore à la ils pointe. Ils ont pas vu le deck. Ils connaissent pas. Ok. C'est Baltimore, c'est une enclave, hein. L'information. Je peux prendre les deux, hein. Ça. Ouais, ouais, tu peux c'est prendre bien, les deux. Ouais. L'information, ça passe pas super facilement à Baltimore. Ah ouais, ouais, ouais. Et pourtant, c'est un espèce de QG de l'armée, je crois. Mais à coup de pas, ça aussi, c'est rentré dans Raffin. Obviously. Ah ouais? Beaucoup? Non. Ouais, un ou deux? Trois, je crois. Ah ouais? Là, tu dis ça juste pour me contredire. Non, non, je te jure. J'ai dit trois, t'aurais dit ouais, un ou deux. Va voir, viens, regarde, super. Viens, regarde maintenant. Super. Eh ben, pas de nombre. Nickel, nickel. Ah, c'est dommage. Ah, mais c'est pas grave, tu refais une chevalière, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça ou ça, ou ça? Ouais, ouais, ce qui est rituel, quoi. Ce qui est rituel en rituel. Nous, on mélange pas les chiffons et les serviettes. Non, j'attaque en fait. Avec ça. Mais laisse-toi le droit de. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, laisse-toi le droit de. Si on voit les deux autres, ça meurt. Ouch. On va se faire une race là. Mais d'ailleurs, on parle de ça depuis tout à l'heure. En fait, super. Notre oppo, il joue juste la liste du gagnant, je pense. Baltimore Hero. Parce que, comme quoi, l'information allait quand même passer à travers les murs. Il a eu la meilleure information. C'est-à-dire le meilleur deck qui gagne. Ouais. Oh, je suis bien. Après, là, tu fais 3 mana, gros. Je suis bien. Maintenant, quoi. Mais je pense que ça, j'ai pas envie de le démolir. Ah ouais? Je crois que j'ai envie de m'en servir pour draw. Tu veux démolir ton frontalien? Ton frontalier, pardon. Je verrai. Ok. Je verrai ce que je démolis. Ça, ça dégage, ça m'abandonne. Là, je trouve land. Voilà. Épicure, du coup. Épicure, hein. À fond. Bah, sinon, j'attaque avec tout et. Oui, bien sûr. Oui, ça comme si c'était une idée de merde. Oui, bien sûr, oui. Une attaque, oui. Ouais, ouais, on va le faire, ouais. Ouais, ouais, mais tu vas pas le faire ici, tu vas le faire dans la boîte d'en face. Tu vas le faire ailleurs si ça te dérange pas, voilà. Puis tu changeras de godasse, voilà. Ça n'a rien à voir, ça fait plaisir. Et avant de le faire, tu poseras ta démission sur mon bureau demain matin. Ah, tain, il prend une belle tartine, hein. Ah, bah oui, hein. C'est pas la tartine de mamie, hein. Et vos petits coups de boxe. Allez, hop. J'adore, c'est vraiment une douce musique. Et là, il prend un. Et il est mort. Film pas. Il revient jamais. 3 bêtes, c'était mieux. Ah, je pouvais plus. Il m'avait tué mon frontalier. Ah oui, tu pouvais plus. T'as refait le token sans. Mais il est aux fraises. Il est aux fraisas. En tout cas, j'aime bien la synergie de son deck. Je connais. Il m'en bloque 3. Il est mort. Oui. Donc, j'y vais. Oui. De toute façon, t'as un épicurien pour mettre les derniers. Oh, avec 2 mana, ce qu'on lui a mis. Et lui, il a joué des cartes pétées en plus. Oh, j'en vois bien jouer. Non. Non, 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 non. Le compte est. Non, 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 jamais. Alors, je peux plus tellement dire que le compte est vierge. Ça. Mais c'est une blague, ne fais pas le ça. Le compte est vierge depuis longtemps. Ouais, il est redevenu vierge du coup. Il y a un délai pour te revirginiser?
Les hyènes, c'est systématique. Les hyènes, c'est-à-dire Les animaux, les les hyènes. bouffeurs de lions? Ouais. D'accord. C'est-à-dire c'est systématique. Bah, le rumen se reforme. Ah d'accord, on est vraiment dans le processus Oui. sexuel de la virginité. Très Parce que tu premier peux être degré. vierge d'une action aussi, tu vois. Ah En bah, fait, à partir je de crois quel que. moment tu redeviens Je crois que la dé. immaculé d'une certaine action? Je pense que c'est jamais. C'est la définition, c'est que ça n'est jamais arrivé. Eh Donc, si merde. c'est déjà arrivé, tu Sauf peux pas si vous dire que êtes. c'est presque jamais arrivé, tu vois. Ouais, mais si jamais tu dis à ton pote, j'ai jamais fait ça, il fait ah ouais, il y a 3 ans tu l'as pas fait, tu fais mais chez une hyène. Si t'es une hyène, c'est bon, ouais. Ok. Mais après, du coup, faut que tu fasses. Tu vois. Comme ça, il dit, ah putain, c'est une hyène, c'est vrai. C'est une hyène, C'est c'est une vraie bon. hyène. Lui, il est vierge. Je garde ou pas? Ben vas-y. Hein. C'est dur, hein. Non, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Faut que ça monte. Bon, il pique rien en démolition, déjà, c'est pas Mana mal. blanc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux même, en réponse à la démolition, je redémolis, comme ça casse le même arbre, j'en ai 6. T'imagines, s'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait, mais là, tu jouerais à KCI, quoi. Ouais, bah ce serait ban. Des fenêtres bizarres. Bah ouais, je crois que juste tu mets un point et on sera plus mana efficient à faire renfort résolu ou vertu de loyauté d'ailleurs, si on se propose Oh, le. je sais, je fais Ah ça. non, moi je le fais pas là, pourquoi tu fais ça? Mais si, parce qu'il va contrer, et je vais quand même le faire. Ah Eh d'accord, oui! ok. Ça me va. Ah bah, Bah bon. Bon bah, encore mieux. ouais, tant mieux. Oh c'est nul. Ouh, c'est cher payé Ouh ça. là 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 là. Oh là là là. Oh, monsieur Leblanc. Bon, par contre, c'est chiant ça, putain. Ouais, un peu. Oh, les landes, c'est bon. Bah non, on pose une Mirex quand même, non? Kenzan, c'est bien. Enfin, on peut en avoir besoin, quoi. Oui. Et pour le, hein. Pim Il y pam a plein de poum. tours. Ouais. Ouais, je suis fin de tour. Ouais, fin de tour. Bah, je pense qu'il va jouer des cartes là. Il va pas rester up. Eh non, tu vois, il a des bonnes cartes à jouer. Mais il est bon, il est bon, il est bon. Renfort ou vertu? Ouais, ça. Ok. De deux, c'est mieux quand t'es un. Maths de base. C'est vrai. Oui, vu Ah, comme vu que ça, j'ai pas de oui. chevalière, pas de Imodan et tout, c'est du bon. Oh, putain. Je dis ça, j'en pioche Mais c'est bien, une. t'es content de la piocher quand même. Ouais, mais j'aurais du coup. Vas-y, on va faire ta chevalière là, directos. Hein. Tu fais renfort, Land chevalière. sur Kenzan. Non, je Mais lande même pas, non. Mirex. Mais tu landes rien pour l'instant, je pense. Tu fais juste renfort, Je vais pas attaquer chevalière. avec ça? Bah, tu attaques après. Tu peux attaquer en main phase 2. Ouais. Ça te donnera plus d'infos sur ce que tu veux faire. Juste, tu croupes avec ton 2-2. Ouais. Et là, là, tu commences à prendre un vrai board. Hein. Ça dépend ce qu'il me trouve. Mais putain, mais on n'a jamais fait de chevalière forte. Du coup, Mirex. Et ouais, là, Vaurienne, 10 cartes de mission. Ou Sokenzan. Ou Sokenzan. Déjà, discard. Oui, je pense. Ça, c'est 2 bêtes Haste. Ça, c'est 3 bêtes pas Haste. Et j'ai pas d'Arthos. Ouais, ok, vas-y, on Ouais. lève démolition. Pas d'Arthos pour l'instant. Très bien. Pas très bien, non, on n'a pas le double blanc pour l'instant, mais ça sera très bien à terme. Oh, il prend les dégâts! Et il veut des 2-2 pour bloquer, mais On s'il n'a est pas trop réussi à bas. prendre un type et à le saucer classico, tu vois. Ouais. Genre Oh, si, juste. le premier, on l'a bien saucé, non? Point de rouge. Ouais, mais pareil, on a dû décurver, on n'a pas pu faire Imodan, c'est pas une galère comme ça. Ah, du coup, je peux pas jouer ça. Et pique rien, recycle. On va essayer, hein. Oh, je recycle et je trouve une démolition de machin. Ça serait relou, ouais. Je recycle quoi? Ça, c'est une bête que je peux caster. Sokenzan, parce que c'est une 2-2, ouais. Bah écoute, on va juste attaquer à la 4-4, hein. S'il donne 2 bêtes, on est Il y a la content. 2-2. Et à la 2-2, bien sûr. Je l'avais pas vu, elle était perdue au milieu de toutes. Elle est où la 2-2? Oh l'anti-bête. Et il trouve vraiment bien la bonne carte hein, sur 11 Il cartes. fait juste double anti-bête, double annonce du mariage, et nous on trouve pas un Imodan pour aller mettre les points, c'est un enfer. Vas-y, chie-nous dessus, n'hésite pas. 11 cartes bien jouées. Et là, il a une armée de 3-3, c'est fini. Hein. Mamie Modane. Oh, Mamie Modane. Mamie Modane, Oh là, la mamie. ça suffit plus, quoi. Je fais des 1. Bah, tu fais ce que tu veux, on va Ça me fout. juste passer à la prochaine. Bah, ça suffit pas, mais s'il contre pas ça, il est fraise, hein. Ah, mais faut que tu trouves Deux une blancs. plaine, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai.
C'est vrai qu'il y a aussi la possibilité que. En plus, je vais le faire deux fois, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux contres sur 12 cartes avec triple anti-bet, double annonce. Il y a la possibilité que tout ah là se passe exactement comme tu le souhaites. Pas d'attaque, s'il te plaît, ne casse pas Vertu de Loyauté. Je t'en supplie. C'est fin de tour, Vertu. Non. Il a rentré ça contre nous, il a raison. Parce que ça tue notre chevalier, ça tue ça. Non, mais par contre, là. Attends, je te remontre. Hein. Mm-hmm. C'est con, on fait la gamme comme ça. J'enlève jamais son cimetière. C'est ah là, on joue bivouac. Dinguerie, ça marche pas. Bah vas-y, refais le même play. Hein. Bah ouais, hein. Oh, je bive. Et tu whack. Et je whack. Il est pas gagnant dans cet échange-là. Ah bah si, il pioche un peu du cax, on est bon. Mais vu qu'il a l'air de piocher. C'est notre dieu à tous, hein, Baltimore Hero, sur cette game. Franchement, c'est incroyable. Genre, si on arrive à la gagner, on a été vraiment. C'est que notre deck est bon, ouais. On a été parce très que bon. La sortie en face, je crois que si je choisis mes cartes, je choisis moins bien. Ouais, c'est incroyable. C'est vous dire. C'est vous dire, Alain. Allez, il faut encore un tour de marqueur déjà. Comme ça, il y a Masht. Oh, V, j'attaque le tour prochain là. Mais déjà, si tu fais ça, un tour de marqueur, tu le défonces, je crois, hein, quasiment. Parce que t'as 2 bêtes de plus que lui. Donc, du coup, tu rentres 6 dégâts. Oh, tu vas faire du sale en vrai. Hein. Parfait. Je mets maintenant, hein, comme ça, il y a marqueur. Ouais, bien sûr, bah, tu fais même Mirex. Mirex aussi, ouais, ouais. Bien sûr. Bon, bien sûr. Je prépare tout, il le casse, je fais ok, nickel. J'en ai pas besoin de toute façon. Bah, le tour d'après, je pense que t'attaques même pour les talents. Il y a le trigger, c'est bon. Alors, Baltimore, ça t'embouche un coin. Il en bloque 6. Oh, il pioche des landes. Eh oui, c'est la vie quand on pioche tout en early. Alors là, je pense que c'est bivouac, all attack avec toutes les 3-3. Avec tout, non ouais, il est à 11, faut qu'il bloque les 3-3. Avec tout, ouais. J'ai avec tout, on s'en fout. De toute façon, tout se dégage après. Putain, mais bon, hein. Tu es Jésus, oh, Baltimore. Arrête. Il est bon. Hein. Le cimetière, s'il te plaît. Ah mais attends, il en bloque 6, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est ah qu'il non, a... Ah non, putain, il a un Manland. On est mort. Non, non, il doit bloquer plein de trucs. On a joué avec... Il a joué avec 3 cartes différentes. Ouais, 4. C'est amusant quand même, non? Non, on n'est pas mort. Ah, attends. Il nous draine de 2, hein, avec... Ah non, c'est que quand il attaque. Quand il attaque, quoi. Mais sur le comeback, il nous draine de 2. Plus 3... Ah, peut-être on est mort, putain, j'ai oublié le mal. On est mort? Non, on est pas mort. Jamais. Ah, il y a un truc là. Ah, bah c'est bon. Ah, il y avait beaucoup trop. Ah, mais il a pas bloqué. J'aurais pas voulu la perdre celle-là. Non, non, il pouvait pas survivre. Non, oui, c'était bon. Ne pose pas de question. Il pouvait vraiment pas la gagner celle-là. Hein. Il a joué parfaitement et notre deck était trop fort. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Fin de la vidéo. Réseaux sociaux dans la description. Ce deck est exceptionnel. Bah, il y a oui. Ce deck dans la description. Allez le voir. Bien sûr. Chaîne Twitch Volpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.